Après avoir célébré les fêtes de fin d'année à Marrakech avec Laetitia Hallyday et la famille de Pascal Ballan, Jade et Joy se sont fait très discrètes sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, un ami de la famille a dévoilé qu'elle se trouvait à Paris. Ce n'est pas à son habitude, et pourtant, Jade Hallyday a délaissé Instagram quelques jours. À Marrakech avec Laetitia Hallyday, Pascal Ballan et sa sœur Joy pour fêter Noël puis la nouvelle année, l'adolescente avait disparu des réseaux sociaux. D'ordinaire active, elle n'a plus rien partagé depuis le 27 décembre dernier et une photo d'elle prise au Maroc devant un coucher du soleil. Sont-elles toujours à Marrakech? Sont-elles reparties à Los Angeles? Ont-elles pris la direction de Saint-Barth? Mais alors que les comptes Instagram de Laetitia et de ses deux filles ne sont peu, voire pas du tout, alimentés, des images avaient déjà mis la puce à l'oreille, elles se trouvent à Paris. Si une vidéo partagée sur le compte TikTok de Joy laissait une place au doute, une photo publiée par un ami de la famille les a totalement estompées. Ce mercredi 8 janvier, Tristan Garnier-Labadie a en effet partagé un cliché de Jade Hallyday en train de déguster une assiette de fraises et de la crème chantilly sur une terrasse parisienne. Après avoir profité du soleil marocain, siest au restaurant L'Avenue que l'aîné de Laetitia et Johnny a pris du bon temps. Une adresse, juste à côté des Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement de la capitale, sûrement pas choisie au hasard, puisqu'elle est particulièrement appréciée des people. En septembre dernier de passage à Paris, siest d'ailleurs dans cet établissement de la rue Montaigne que Laetitia Hallyday avait été déjeuner avant de rencontrer son avocat. Comme le révèle Pure People, la veuve de Johnny et ses deux filles ont quitté le Maroc pour retrouver Paris le 3 janvier dernier. Et si Jade et Joy ont posé leur valise à Marne-la-Coquette, Laetitia Hallyday a préféré filer chez Pascal Ballan. Et si est-il donc loin des réseaux sociaux, qu'elle a seulement ouvert pour rendre un nouvel hommage à Johnny Hallyday le 5 janvier dernier, qu'elle savoure leur moment. Après avoir passé leur première fête de fin d'année ensemble, les amoureux comptent bien profiter de leur retrouvaille avant qu'elles ne doivent quitter la capitale pour retrouver sa vie de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc bien loin de son nouvel amour.